et merci beaucoup au Beta Group Coworking Space de nous accueillir ce soir. Et merci à vous de venir à cette heure-ci. Et quand on est dans les remerciements, je propose de tout de suite commencer avec la vidéo de Steve qui n'a pas pu venir, mais qui voudrait aussi nous offrir ses remerciements. Welcome all to a very exciting event, the launch of the Four Steps to the Epiphany in French. I'm sorry my teaching schedule prevents me from being with you on this exciting night for me and for all French entrepreneurs. First, I want to congratulate Antoine for the translation, Allegra and Amory for proofreading, and the others involved in this exciting and challenging event. It's the fifth language for the Four Steps to the Epiphany. It's in English, it's in Japanese, it's in Russian and Chinese, which are all in circulation or underway, and Portuguese and Greek translations in the works, and lots more to come. It appears that customer development has now become a universal language for entrepreneurs. I developed this process about 10 years ago and continue to strengthen and refine it every day with educators, entrepreneurs, investors, and engineers. This is a very exciting time to accelerate not only the number, but the quality of startups in the world. I'm glad to be part of this exciting revolution, and welcome to you to it as well. I want to thank the Beta Group, Coworking Space, for hosting this event. The book is available in hard copy, in French, and as well as in the first e-book version as well. The people with you tonight can provide the details. So thank you very much. Good luck, good hunting, and carpe diem. Juste, il mentionnait Allegra qui est ici présente, qui m'a aidé à traduire. Donc merci beaucoup Allegra. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter une nouvelle manière de démarrer une start-up. La question initiale c'est, la plupart des start-up échouent. Pourquoi? À votre avis, quelle est la raison principale? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il a eu assez. Ouais, souvent, on croit que c'est un manque d'argent, un manque d'expertise, un manque de technique de réseau, mais la raison principale, c'est qu'il n'y a pas de clients. Les ingénieurs sont là, ils développent un super produit qui est à la pointe de la technologie, mais personne n'en veut. Les exemples, il y a plein d'exemples de produits que vous connaissez, dont le Dieu de Microsoft, où en soi il était super, mais voilà, ils ne l'ont pas mis d'une manière qui attirait les gens, que ce soit par la distribution, par le design, ils n'ont pas su toucher ce qui était vraiment important pour les gens. Pourquoi cela arrive? C'est parce que souvent la start-up, ça vient de la vision d'un fondateur, ils ont une vision d'un certain problème et d'une solution, et ils pensent qu'il suffit d'exécuter cette vision. Donc, ils ont toutes leurs hypothèses et ils engagent des ingénieurs, ils engagent des commerciaux et ils se disent, on n'a plus qu'à exécuter, on y va. Et souvent, ça mène à un échec. Par exemple, ici, c'est le Newton d'Apple qui, en soi, Apple, c'est un des super produits. Ils avaient une vision, ils l'ont lancé, grands échecs. Pareil pour le mini-disque. Et on a tous vécu, on sait pourquoi on ne l'a pas acheté. Et ce n'est pas parce que ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment ce slogan, cet adage de « il suffit de construire le produit et les gens vont venir ». Et ça, c'est faux. C'est faux dans la plupart des cas, sauf pour tout ce qui est les produits biotech. Donc par exemple, si je veux développer un nouveau médicament pour guérir le cancer, ben là, a priori, tout le monde va l'acheter. Si je trouve le moyen de guérir le sida, je peux plus ou moins être sûr que tout le monde va l'acheter. Les risques ici, c'est des risques de développement et de distribution. Alors que les risques dans la plupart des autres produits, que ce soit les logiciels, que ce soit des produits de grands consommateurs, c'est le risque d'adoption des clients. Est-ce que les gens vont en vouloir? Donc, la question c'est comment est-ce que c'est possible que des startups s'obstinent à développer un produit et puis même si ça ne fonctionne pas, continuer, aller jusque dans le mur, jusqu'à l'échec? Ça, c'est possible parce qu'ils ne se remettent pas en question. Ils suivent un processus qui est le
modèle du développement produit, qui est un processus très bon pour construire des produits. Donc s'il y a des ingénieurs dans la salle, ils peuvent se retrouver. C'est on part d'une idée, on développe le produit, on fait des premiers tests, et quand ça va, on le met sur le marché. Et ça, c'est parfait quand ce qu'on veut construire est clair. Donc s'il y a des développeurs web, c'est cette différence entre développement en chute d'eau, en waterfall, versus plus agile à interagir avec le client. Donc ça, c'est parfait pour le département des ingénieurs, où on peut l'argumenter après. Mais le problème, c'est que toute la start-up va s'organiser autour de ce modèle. Que ce soit le marketing, les commerciaux ou les business, ils vont tous créer leur plan Excel, comme vous pouvez connaître, ceux où on met les cellules en janvier et on tire jusqu'à décembre. Et bien, ils vont tous s'organiser à ça. Ils vont dire, OK, si les ingénieurs commencent à développer le produit là, là on a déjà créé notre positionnement. Quand ils font le test, on peut déjà lancer du PR, on peut déjà faire du buzz, on peut déjà commencer à engager nos premiers commerciaux. Et donc le problème, c'est que le jour de cette première livraison, la start-up va dépenser déjà des centaines de milliers d'euros par mois, alors qu'elle n'a même pas encore vendu son premier euro. Et ça, un exemple que Steve donne dans son livre, c'était Webvan. C'était à l'époque de 2001, pendant le boom, c'était une boîte qui voulait faire de la vente en ligne pour les courses. Au lieu d'aller à Deleuze, on commanderait sur Internet et ils livreraient à la maison. Et cette boîte avait fait tout un plan, et il y avait de l'attraction, ils avaient déjà acheté deux entrepôts, ils avaient déjà investi plus dans leur infrastructure que les grandes surfaces existantes. Pourquoi ? Parce que voilà, ils étaient sûrs que ça allait marcher, ils l'avaient planifié et c'était comme ça. Et effectivement, ils avaient un petit peu de traction, mais rien de comparable ou aligné à leurs prévisions. Donc leur coût était beaucoup, beaucoup plus grand que leur revenu. Mais dans le cadre des startups, c'est pas toujours vrai dans X premières années. Enfin, Google a mis 3 ans à être rentable, Amazon a mis 30 ans à être rentable. Enfin. Ouais, mais donc ici, c'est un bon point. Comme je vais montrer plus tard, ça dépend super fort du type de marché dans lequel tu es. Et c'est ça qu'il a introduit. Il dit il y a des marchés, soit tu peux être dans un nouveau marché, soit dans un marché resegmenté, soit dans un marché existant. Et en fonction du type de marché, les prévisions de vente vont être complètement différentes. Et le point, c'est aussi de dire, tu dois les mettre par rapport à la réalité et aux faits. Donc, tu vois, ne pas dire, voilà, à partir de l'année 2, quoi qu'il arrive, je vais commencer à engager 10 commerciaux. Mais plus d'attendre et d'avoir des étapes claires, de, OK, il faut que j'ai au minimum 20 clients qui aient signé pour commencer à engager des commerciaux. Donc la réflexion de Steve, c'est de dire, OK, mais si les startups échouent parce qu'elles n'ont pas de clients, et si le problème, ce n'est pas un problème de développer un produit, alors pourquoi est-ce qu'on a seulement un processus pour développer un bon produit, mais pas un processus pour développer des clients? Et donc, c'est clairement ce besoin d'arriver à trouver un processus parallèle au développement produit qui va accompagner la start-up pour trouver son business model. C'est pas un « ou », on ne dit pas d'oublier le développement produit, on dit juste c'est quelque chose qui doit venir à côté pour les commerciaux, le marketing et les business. Ce processus est basé sur 3 grands principes. Il faut aussi, comme pour le développement produit, des étapes qui soient claires et mesurables. Donc c'est ça, pour répondre à ta question, ça doit être clair quand est-ce qu'on peut engager plus de dépenses, quand est-ce qu'on a de la traction. C'est un processus qui va dépendre dans quel type de marché on est. Si on est dans un nouveau marché, donc personne ne connaît la technologie, ça ne sert à rien d'investir beaucoup de marketing pour faire ce qu'on appelle du branding ou dire qu'on est les meilleurs. Il faut plutôt éduquer les gens, expliquer quelle est la technologie, etc. Par exemple, au tout début du GSM, ça ne servait à rien de dire qu'on avait plus de mémoire qu'un autre téléphone. Il fallait expliquer à quoi servait un GSM, quand est-ce qu'on pouvait l'utiliser, etc. Et le troisième point, c'est reconnaître qu'avant d'exécuter, il y a une phase d'apprentissage et de découverte. Ça, c'est vraiment les 3 idées du développement client.
Donc la méthodologie du développement client, c'est ces quatre étapes. Comme on voit, elle est séparée en deux. Une première phase de recherche, d'apprentissage, et une deuxième phase d'exécution. Sur la gauche, on va vraiment essayer de trouver quel est le business model. Là, il y a deux étapes. La première, la découverte client. Là, le but, c'est de mettre toutes les hypothèses qu'on fait sur un certain marché ou sur notre boîte et d'arriver à les transformer en fait, de valider que la vision du fondateur n'est pas une élucubration, mais c'est quelque chose de réel. La deuxième étape, c'est de définir un modèle de vente, donc d'arriver à le commercialiser. Parfois, on a un produit qu'on technologiquement est bien, mais on n'arrive pas à le commercialiser. La réponse, c'est de revenir en arrière et de changer le produit. Donc là, par exemple, Steve, dans son livre, donne un exemple où il y a 20 ou 30 ans, un ingénieur avait développé une sorte de fax multifonction, mais vraiment à la pointe de la technologie. Le problème, c'est que cette machine coûtait plus de 1 000 $. Donc, les travailleurs indépendants, mais c'était beaucoup trop cher pour eux. Et il n'arrivait donc pas à le commercialiser. Et la solution, ça a été de prendre la carte qu'il avait développée pour communiquer et d'aller la vendre à des grandes entreprises pour qu'elles l'intègrent dans d'autres produits. Et PayPal, comme ça, qui est un exemple connu, a plusieurs fois aussi itéré et changé leur business model. La deuxième étape, elle va arriver quand on a cette adéquation produit-marché. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire, produit-marché, c'est j'ai identifié un problème qui est réel et j'apporte une solution qui est réelle. Un des critères qui ont été développés dans cette méthodologie Lean Startup, c'est de lancer un sondage à ses clients et dire si vous n'aviez pas mon produit, est-ce que vous seriez très déçu? Il y a 4 réponses comme ça. Et si on a plus de 40% des gens qui disent qu'ils seraient vraiment très déçus, alors c'est qu'on a atteint cette adéquation produit-marché. Donc une fois qu'on a ça, après on va aller exécuter. Et là, la notion de Steve qui est importante, c'est justement de dire c'est très important d'identifier dans quel marché je suis pour justement faire mes prévisions et savoir combien de personnes je dois engager quand et aussi quelle stratégie marketing je dois mettre en œuvre. Donc la toute première étape de découverte client, le but, c'est vraiment les hypothèses que je fais sur quel est le problème ou quelle est la solution, je vais aller les tester. Je vais sortir de mon bureau. Le but, ce n'est pas d'essayer de vendre dans cette étape, c'est vraiment d'essayer d'aller comprendre. Donc, un exemple, c'est qu'ici, comme Ramon disait, je vais développer une start-up à Bali. Et ce qu'on va faire, c'est de la location de villas. Et on a fait un moteur de recherche et on avait mis d'abord toutes les villas comme ça en listing. Et en parlant aux gens, ils nous ont dit « Ah, mais moi, quand je cherche les villas, ce qui compte vraiment, c'est où est-ce qu'elles sont situées sur une carte ?» Et donc, vraiment, on a décidé de changer l'interface et d'abord mettre une carte, et puis les gens peuvent sélectionner par prix ou par chambre à coucher. De la même manière, ici, un exemple plus proche de nous, c'est Deleuze. Quand ils ont développé leur solution Caddy Home, à la base, ils pensaient que ce serait pour les personnes handicapées ou les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Et en lançant le service, ils se sont rendus compte que c'était les personnes occupées, qui travaillaient trop, qui n'avaient pas le temps d'aller chez Deleuze. Donc voilà, ici, dans son livre, il met des critères de sortie clairs. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense que ce que je veux juste vous communiquer, c'est la force de ce livre. Et pourquoi j'ai aimé, c'est parce que c'est vraiment très précis, il y a des étapes claires, il pose des questions. Et ça met un petit peu de guide et ça rassure dans toutes ces incertitudes qui est de lancer une start-up et d'arriver à trouver. Donc voilà, là il met toutes les étapes et des critères clairs pour sortir. La deuxième étape qui est valider les clients, là il s'agit de développer un plan commercial. Donc les notions importantes, c'est cette notion d'early evangelist. Surtout dans les technologies, il y a des gars qui... ils vont juste être excités par la technologie. Et ces personnes-là vont être tout à fait différentes du grand public. Par exemple, au tout début, on est prêt à bricoler à droite, à gauche, etc. parce qu'on est tellement enthousiaste par rapport à la technologie. Alors que le grand public, eux, ça doit être quelque chose de super simple, un clic et ça fonctionne. Un exemple comme ça, c'est les lecteurs MP3. Avant Apple et l'iPod,
ben, c'était chouette, mais ça prenait du temps, il fallait mettre sa musique, ça prenait plein de temps aussi. Toute la force, c'est d'avoir intégré ça avec iTunes, c'est qu'en un clic, on est la musique. Et ça, c'est ce que le grand public ou ma maman, ma grand-mère. Ouais. Et donc, c'est vraiment adapté, trouver la bonne manière de commercialiser le produit. Un exemple, c'est Dropbox, je ne sais pas si vous connaissez. Au tout début, ils cherchaient comment le commercialiser. Ils avaient fait de la pub sur Google, mais ça coûtait super cher. Donc, ils se sont dit, OK, on ne peut pas, ce n'est pas rentable, ce n'est pas possible pour nous de commercialiser notre produit avec Google AdWords. Et en itérant, finalement, ils ont trouvé la manière de... une manière virale en référant quelqu'un, on avait de l'espace gratuit et comme ça, ça a vraiment eu énormément de traction. Mais donc c'est à ce moment-là où ils ont compris qu'est-ce qui allait pouvoir être reproductible et vraiment grossir qu'ils ont pu passer à l'étape suivante. Donc ici de nouveau, ils développent toutes les étapes de manière très précise et le but c'est de mettre un premier plan commercial, d'aller le tester et de valider que ça fonctionne. La dernière étape, maintenant on a eu notre adéquation produit-marché, on a eu cette traction, et maintenant c'est l'exécution de ce business model. Donc la création client, ici l'idée c'est de commencer à exécuter le plan et de valider, de passer non plus des early evangelists au grand public. Il y a la notion, je ne l'ai pas mise parce que c'était compliqué, mais de passer le chasme. Je ne sais pas si certains de vous connaissent, de George Moore. C'est l'idée du cycle d'adoption des technologies qui a les early evangelists, puis le grand public, avec ces différents qui vont changer les stratégies. C'est ici qui fait ça. Et il a introduit cette notion de type de marché. Donc comme je l'ai dit, il y a ces trois types de marchés. Un nouveau marché, un marché existant et un marché segmenté. J'ai pris ici pour illustrer l'exemple du téléphone. Au tout début du téléphone, les gens y croyaient pas trop. Par exemple, McKinsey disait que ça ne ferait jamais une technologie grand public et que voilà, ce serait toujours quelque chose de niche. Ensuite, il a fallu éduquer les gens, les consultants. Et ensuite, il y a eu vraiment un essor. Ça a super bien fonctionné. Après, les gens se battaient non plus pour expliquer à quoi ça servait, mais entre eux pour dire pourquoi est-ce qu'ils étaient meilleurs de leurs concurrents. Une fois que le marché commence à saturer, on va commencer à le resegmenter, soit avec des offres bas de gamme, soit avec des offres ciblées pour des gens particuliers. Si j'ai pris l'exemple d'un téléphone, juste pour les personnes âgées. Donc, voilà, quelques boutons pour appeler, ça ne fait rien de plus. Et ça, vraiment... C'est clé d'arriver à comprendre dans quel marché on est. Dans un marché nouveau, les ventes, ça va faire souvent ce hockey stick. Au début, rien, pendant 2-3 ans, et puis tout d'un coup, bam, croissance exponentielle. Dans un marché existant ou segmenté, c'est quelque chose de beaucoup plus linéaire. Et donc, c'est important, si on est dans le nouveau marché, de savoir pendant combien de temps on va avoir des ventes qui vont être flat, et on va devoir justement investir. On sait qu'on a besoin de beaucoup plus de capitaux. À l'inverse, dans ces marchés existants segmentés, on sait qu'on va devoir investir beaucoup en marketing et on doit comparer combien les acteurs actuels du marché ont le budget marketing et pour voir si je vais pouvoir arriver à me battre avec eux ou pas. De nouveau, ils développent ça de manière très claire avec des étapes très précises. C'est vraiment une checklist. Steve Blank a été pilote de l'air. Donc, il a appliqué ce côté d'avoir des checklists précises à une start-up. On dirait presque que c'est facile quand on lit son livre. La dernière étape, c'est de mettre en place des processus. Donc ça, c'est l'idée qu'au début de la boîte, il n'y a pas vraiment de titre ou de fonction. C'est une organisation qui est plus temporaire et informelle. On s'appelle par son prénom, c'est assez petit, de 2 à 20 personnes maximum. Quand on va commencer à vouloir créer la boîte et investir, là, on va vouloir mettre des processus, ça va être des fonctions, il va y avoir des départements. Et les questions à se poser, c'est aussi de savoir, tiens, est-ce que c'est la bonne équipe qui est en place aujourd'hui ou est-ce qu'on a besoin de personnes plus expérimentées? Donc ça, justement, dans les boîtes comme Google, quand ils ont commencé à plus grossir la boîte, ils ont demandé un CEO externe de venir pour être l'adulte. Chez Facebook aussi,
Ils ont amené Sheryl Sandberg pour venir mettre de l'ordre, être arrivé à structurer. Là, l'idée de base de Steve, c'est qu'il faut créer des départements. Et donc, chaque département a sa vision. Donc, pour ne pas micromanager, il faut vraiment que les gens comprennent quelle est leur vision dans la vision globale de la boîte et qui tire ça. Et c'est ici, super souvent, qu'il y a des problèmes entre les VC, les fondateurs ou le reste. Parce que les fondateurs ont plus des visions, ils veulent tirer. Ils partent un peu dans tous les sens, alors que les autres veulent arriver à formaliser et à plus créer une machine, un cheeseburger. Donc voilà. En gros, c'est ça la méthodologie client. C'est cette idée qu'il y a deux phases. Une première phase d'apprentissage et de recherche du business model et une deuxième phase d'exécution. Et les trois grands principes, comme je l'ai dit, c'est cette idée d'avoir des étapes claires et mesurables, et c'est seulement quand on a rempli les critères qu'on peut passer à l'étape suivante. C'est cette idée fondamentale de comprendre dans quel type de marché on est, et c'est cette idée d'apprendre et de connaître avant d'exécuter. Voilà, c'était la fin. Il y a... Maintenant, je propose de répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un... Qui ici dirige une start-up ou travaille dans une start-up? Est-ce que vous, vous mettez ça en place? Est-ce que vous vous reconnaissez dans... Not quite in this structure, in such a structure. Okay. So, apply the same philosophy, but not really have a, for example, like a wall with, you know, post-its and then doing the whole thing. Okay. And do you think it would help? Maybe not. It depends on how much effort you have to put into following the book vis-à-vis the outcomes that you will have. Personally, I do advocate for the lean startup approach, most people. I mean, for me, I would not go for a, you know, execution of every little step that they prescribed by the book. But that's a personal thing. I think if in your startup you go very fast towards sales, okay, you're going to follow this process de facto, because you're going to have a lot of interactions with your clients. You're going to be forced to listen and you'll adapt and improve your element. So sales drives this process a lot. I would probably recommend this book, especially for startups who probably aren't in the stage of like selling yet, because then it's very good in terms of re-putting it in the right focus. That's actually a very relevant point, because this is something I come across a lot. People, Belgians especially, tends to build and build and build and build, sitting at home in their mom's cellar, to sort of fine-tune the product ad nauseum, and they are reluctant to put it out on the market and let the market tell them that the product is crap. Rejection is hard, but that's part of the game. You have to go for that before you build something useful. Comme ça, le CEO de LinkedIn disait, si vous mettez votre produit sur le marché et vous ne vous sentez pas honteux, c'est que vous avez attendu trop longtemps. Ouais. Mais de mon expérience, donc pour cette différence entre vendre et apprendre, c'est pour ça qu'on insistait que la première étape, c'était pas de vendre, mais d'écouter. C'est pour deux raisons. C'est déjà, si vous allez chez quelqu'un avec votre casquette de vente, c'est tout à fait différent. La personne ne va pas partager la même info. Et aussi, vous êtes... La vue est plus étroite. Au tout début, Steve Blank, ce qu'il conseille, et c'était principalement au début pour des boîtes B2B, mais c'est vraiment, par exemple, dans un achat, de comprendre toutes les personnes qui sont impliquées. Il donnait l'exemple d'une vente d'un logiciel dans une grosse boîte. Et ben, c'est de comprendre quel rôle l'IT va jouer par rapport au management. Qui prend les décisions? Qui a le budget? Qui va vraiment utiliser mon logiciel? Et tout ça, ce n'est pas des questions, si j'essaye d'aller et de vendre, les gens vont faire « Ah, tu sais, tu viens me pitcher ton logiciel, mais je voulais te dire, les gars de l'IT là-bas, ben, il faut que toi, tu ailles les convaincre et leur parler, etc. » C'est pour ça qu'il suggère d'écouter plutôt que de vendre. Et un autre point, c'est que, par exemple, dans la start-up où j'étais avant, on vend, mais on n'a pas, comme on vend avec une force de vente directe, on est moins dans l'écoute ou essayer de comprendre, tiens, est-ce qu'il y a d'autres manières de vente que vente directe.
Est-ce qu'on sait comment les gens vendent? Est-ce qu'on aurait pu tester de mettre notre produit dans un autre, etc.? Et en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, je suis arrivé dans cette start-up après 2 ans. Donc, le gars était juste... Quand j'essaie de vendre ces concepts, il avait aussi la même philosophie d'être là. Donc, ça fait 2 ans que je fais ça. On a déjà des ventes. Je vois pas pourquoi, d'une certaine manière, tu m'ennuies à essayer de comprendre et d'écouter. Alors que pour moi, il y a encore certains trucs qu'on pourrait développer. Écoutez, le but, c'est pas dire vous aurez 0 client. Il n'y aura pas de traction si vous trouvez vraiment la bonne manière de vendre un produit. Et un autre exemple auquel je pense comme ça, c'est des gars qui développaient des paquets de chips un peu biologiques ou bio ou ce côté-là. Ben, au lieu d'aller les mettre à côté de tous les chips, etc., ils se sont dit, ils ont trouvé une manière pour aller les mettre dans les rayons plus bio et à côté vraiment changer tout le positionnement et essayer de comprendre. Je pense vraiment que c'est clé d'essayer de comprendre comment les gens achètent, à quel moment. Et ça, on ne le fait pas quand on a le nez dans le guidon, en tout cas de mon expérience. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui appliquent ça un petit peu? Je réponds pas à cette question-là. Enfin, okay. C'est marrant parce que tu parles de 2 choses opposées. Tu dis, il faut essayer de comprendre le client. Ouais. C'est vraiment important. Et puis, par exemple, plusieurs fois, tu reviens avec l'exemple du GSM où il fallait éduquer le marché. Et typiquement, il n'y avait aucun client. Il n'y a personne qui avait compris l'intérêt du GSM. Il n'y a personne qui avait compris l'intérêt de l'iPad avant l'iPad. Mm-hmm. Donc, il y a plein de produits comme ça où il n'y a pas de marché avant. Tu es obligé de sortir le produit. Et puis... That's perfectly normal because consumers, most consumers, vast majority of consumers, don't have the imagination to understand the application product before they touch it and play with it. A bad prototype is still a prototype. It still is a much more useful point of reference for a consumer than a highly developed, well, something is better than nothing, put it this way. Even a crappy little thing that just does one thing, but sort of does it, is better than a very detailed graphical description of what the whole thing will look like one day. And that is the strength of the method, is that it forces you to have to go out and make that little forced Kremlin prototype and push it out to people and see the responses. Je pense que là, c'est aussi une définition sémantique de qu'est-ce qu'on entend par écouter. Par exemple, Henry Ford disait « Si j'avais écouté ce que les gens voulaient, j'aurais construit un cheval qui court plus vite. » Mais et c'est tout comme en IT, les gens, souvent les clients vont venir avec des solutions, mais de leur connaissance. Et tout le travail de l'ingénieur, c'est d'arriver à décortiquer pour comprendre quel est le problème. Et puis, l'ingénieur va répondre et trouver les solutions. Donc, l'exemple ici avec Henry Ford, c'est dire, ok, les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller plus vite. Mais eux, ils ne vont jamais te dire ça. Ils vont dire, ah, mon cheval est toujours fatigué, il faut lui donner à manger. Et c'est toi qui dois comprendre, ah, ok, le problème, c'est qu'il n'y a pas une autonomie, ils veulent pouvoir avoir un moyen de transport, et le prendre à tout moment, etc. Donc, par écouter, ce n'est pas juste mettre son oreille, noter tout ce que le client dit, mais c'est vraiment comprendre quel est le besoin derrière ou le problème qu'ils expriment en parlant. C'est pour ça que c'est dur. Si c'était juste noté, exécuté, on aurait beaucoup plus de start-up réussies. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mathieu, je sais que toi, tu lances une boîte. Est-ce que tu penses le lancer ou pas? Non, on n'est malheureusement pas encore là. On est vraiment au tout début. Mais c'est clair que ma première idée, c'était... une étape qui nous manquait, on ne pensait pas du tout assez à la vente, et c'est certainement pour ça qu'on s'est rendu compte, on a participé au Founder Institute, et souvent les mentors nous disaient, vous ne réfléchissez pas assez à ça, le business model ne marchera pas, et on a abandonné l'idée, et maintenant on est parti sur autre chose. Mm-hmm. Voilà, s'il n'y a plus de questions, il n'y a qu'à remercier. Voilà. La conversation autour de quelques bottes, je crois. Allez. Merci.